gotta say, what the fuck? I don't think you understand. Nothing's gonna happen to us. We're juvenile. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, à nouveau un peu particulière, qui va être entièrement consacrée à Serge Gainsbourg. Je vous préviens tout de suite, elle va être beaucoup plus courte que celle consacrée à Michael Jackson. Mais quand j'avais été invité chez Gilles Morgan il y a quelques mois pour ses interviews de youtubeurs, il m'avait posé une question sur Gainsbourg et j'avais dit que c'était particulier puisque je l'avais connu à une époque. Et ensuite, assez logiquement, on m'a demandé, tu pourrais pas en parler, ce serait intéressant. Il s'avère que j'ai parlé de mes souvenirs à un très bon ami qui est journaliste et qui faisait un article, enfin travaillait sur un article pour le magazine féminin Grazia. Je vais vous mettre d'ailleurs le magazine en question. Il m'avait demandé d'écrire un texte, enfin ce que je voulais bien dire, enfin partager comme souvenir, tout ça. Alors je m'excuse pour ceux que ça intéresse pas, mais je ne pense qu'ils n'ont pas cliqué pour regarder la vidéo, donc je pars du principe que ça vous intéresse un minimum. Alors ça va être du coup c'est logique, c'est mes souvenirs avec Serge, donc ça va être 36-15 ma vie quoi. Difficile de faire autrement, j'allais m'excuser, mais en fait je vois pas trop comment faire autrement. Je suis obligé de préciser, donc pour commencer, je crois que je l'ai déjà dit, que je suis né de parents divorcés, que donc je voyais mon père une fois tous les 15 jours quand j'acceptais d'y aller, parce que parfois je refusais d'y aller, donc je me cachais au fond de placard. Bref, mais donc très souvent, on m'expliquait que je n'avais pas le choix, il fallait y aller. Et je le voyais aussi sur une partie des vacances d'été, mais enfin en principe c'était jamais très très long. Un jour je reviens de l'école et ma mère me dit « ton père a appelé, tu vas sécher les cours, enfin tu vas manquer les cours pendant une semaine et tu vas partir en vacances donc avec lui ». C'était en 82, j'avais 10 ans donc, et c'était totalement anormal, enfin je ne comprenais absolument pas pourquoi. Et je vois donc mon père ensuite. Et il m'explique, il me dit, on va partir, toi et moi, donc une semaine, j'ai oublié c'était où, c'était en bord de mer, ça c'est sûr. Il y aura Serge Gainsbourg. Il m'explique aussi que ça va être pour le tournage d'une publicité. Donc mon père était publicitaire, il était créatif. À l'époque, je crois qu'il n'était pas encore directeur de créa, donc il devait être concepteur-rédacteur. Enfin, il était déjà bien, je crois qu'il venait d'avoir le Lion d'Or pour la pub qu'il a fait pour Pionnier, enfin qu'il avait fait pour Pionnier en... Ah mais non, c'est en 84, donc non, il l'avait pas encore, je pense pas. Peu importe, bref, donc en tout cas il avait vraiment le vent en poupe, je crois qu'il était sur Publicis, bref. Et donc il m'explique que Serge Gainsbourg, donc le chanteur, va réaliser la publicité et que ça va être super, ça me fera une expérience, ça nous permettra de passer du temps ensemble. Et donc moi je suis, j'ai 10 ans, je suis moyennement content parce que, enfin je suis pas content en fait, non, disons les choses franchement, je suis pas content parce que j'ai pas du tout envie de passer, j'ai pas envie d'y aller. Et en plus, Serge Gainsbourg, en 82, du haut de mes 10 ans, il est vraiment... En fait, j'en connaissais ce qu'on en percevait à la télé, c'est-à-dire un type alcoolisé, qui baragouine, qui fait un peu peur. Enfin, moi, pour un enfant de 10 ans, il fait un peu peur. Et en plus, il y avait un autre problème. C'est vraiment, je suis vraiment obligé de parler de ma truc perso, mais... c'est qu'il était tout le temps bourré, quoi. Or, j'avais à la maison largement de quoi faire niveau personne bourrée. Et ma vie était déjà à ce niveau-là un beau cauchemar. Donc l'idée de quitter ma mère une semaine pour aller me refoutre dans les pattes d'un type qui serait torché du matin au soir. Et en plus, qui avait l'air un peu crade, impressionnant, enfin je sais pas. Enfin vraiment, j'avais aucune envie. Mais bon,
Et pas le choix, de toute façon, 10 ans, je risquais pas de décider. Et donc c'était plié, voilà. Il y avait vraiment le cliché Gainsbourg, quoi, pour ceux qui se souviennent. Donc il me faisait limite un peu peur, quoi, vraiment, hein, le mec imprévisible qui peut faire n'importe quoi. Donc on en est là, et quelques jours avant de partir, je vais en week-end donc chez mon père. Et il me dit, j'ai un rendez-vous avec Serge pour discuter un peu, voilà, des préparatifs du tournage, tout ça. Bah, tu vas m'accompagner, on va aller le voir. Et ah bon, je suis obligé de venir. Et donc on part. Et je suis vraiment, vraiment, j'étais un enfant très renfermé. Enfin, bref, et pas à l'aise avec les adultes déjà à la base. Voilà, j'avais de bonnes raisons, hein, mais bref. Donc dans la voiture, je me souviens que j'angoissais et tout. On arrive, voilà, dans une brasserie très cossue, super. Je me souviens que c'était hyper impressionnant, magnifique, un endroit magnifique, quoi. Et qui est désert, mais désert. Donc on rentre, c'est vide. Mon père demande au bar, un magnifique bar, voilà, où est Serge. Et on lui répond qu'il est tout au fond dans la salle, qui est tout au fond et tout. Et on arrive, donc on prend les couloirs. Je me souviens qu'il y avait une espèce d'énorme moquette noire. C'était super beau, hein. Et on arrive tout au fond, et donc il y a Serge Gainsbourg qui est assis à une grande banquette, voilà, et contre le mur, et qui, voilà, boit tranquille en fumant sa cigarette. Et il est tout seul, et il griffonnait un truc, je crois. Il écrivait des trucs. Et on arrive, et donc je le vois. Alors, 10 ans, je pense que c'est la première célébrité que j'ai vue de ma vie. Donc c'était assez intimidant, c'est un doux euphémisme, mais voilà, quoi. Donc j'arrive, et je dis bonjour, enfin, je peux le marmonner. Et je m'étais dit, de toute façon, Serge Gainsbourg, qu'est-ce qu'il en a à foutre de ma gueule? Un petit con, un gamin, quoi, un enfant, quoi, de 10 ans, je pense vraiment pas que ça l'intéresse. Donc je vais pas lui parler du tout, je vais limite pas le regarder. Et ils vont parler entre eux, et lui il me parlera pas, et ce sera très bien. Voilà. Donc je m'étais dit vraiment, en fait, je vais m'en sortir comme ça, en fait. Donc voilà, faire le moins d'interactions possible pour éviter enfin voilà, d'être mal à l'aise, trop. Enfin. Et donc mon père me présente, et il lui dit, voilà, mon fils Jonathan. Donc première révélation à mes abonnés. Donc mon premier prénom usuel est Jonathan en réalité. Et Alex, c'est mon autre prénom usuel, et c'est celui que j'utilise depuis 20 ans maintenant. En fait, plus personne ne m'appelle Jonathan. Enfin, à part ma mère, en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, bizarrement, alors que tout le monde m'appelle Alex et que c'est devenu réellement mon prénom totalement, quoi. Par contre, quand les très rares fois où je me fais dédicacer quelque chose, je dis toujours que c'est pour Jonathan. C'est marrant, hein? Hilarant. Donc il lui dit ça, et Gainsbourg me regarde, et il me dit, c'est magnifique comme prénom. Et moi je me dis, ça commence mal, il enchaîne direct à me parler, quoi. Et donc je lui dis, ah, je détestais mon prénom, hein. Parce que Jonathan, donc à 10 ans, tout ce que ça m'évoquait, et surtout à mes potes qui m'avaient bien fait payer cher à l'école, c'était donc Jonathan et Jennifer de L'Amour du Risque, et David et Jonathan, c'était magnifique. Et il me regarde, et pour m'expliquer, comme il voit que je suis. Je pense que là, il commence à comprendre que je suis très renfermé. Voilà, je suis pas quelqu'un qui extériorise grand-chose. Il se penche vers moi et il me dit, je n'attends plus personne. Il me dit, c'est pour ça que c'est magnifique comme prénom. Et je regarde mon père parce que je suis tellement stressé, pas content d'être là, et il m'impressionne vachement. Enfin, je suis pas bien, ça m'énerve, je suis pas content. Donc, je comprends pas le jeu de mots. Et Serge me dit, je n'attends plus personne. Et là, je comprends. Donc, je comprends tout l'inconvénient, le jeu de mots. Et sur le coup, je me dis, ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai que c'est top. Mais j'ai pas envie de le.
Je suis renfermé, j'ai pas envie d'être gentil. Enfin, voilà, c'est un, je vais dire. Et donc, je réagis pas vraiment. Je fais ah oui, d'accord. Et genre, ok, faites-vous parler maintenant. Arrêtez de me parler, monsieur, quoi. Et il me regarde et c'est surréaliste parce qu'ils sont vraiment pas venus là pour parler de moi, quoi. Et ça, je me fixe, quoi, vraiment. Et donc je me dis, mais pourquoi il fait une fixette sur moi, quoi? Genre, depuis, on est là depuis je sais pas combien de minutes, on ne parle que de moi, enfin, son attention n'est que sur moi, c'est chiant, c'est chiant. Et en fait, il est intrigué, clairement. Après, j'ai aujourd'hui mon regard d'adulte sur ces moments-là, mais à l'époque, voilà, je sentais juste que c'était oppressant et que c'était pas agréable, et que j'étais mal à l'aise. Et donc, à ce moment-là, histoire d'enfoncer le clou et d'achever, en fait, de faire de ce moment vraiment quelque chose de très très agréable pour moi, et voyant surtout que je lui faisais un peu honte, parce que au lieu d'être un enfant cool qui se marrerait ou qui parlerait, qui ferait, je sais pas, peu importe. Donc mon père me regarde, sans doute un peu consterné, il regarde Serge et il lui dit en riant, ah non mais de toute façon lui son rêve en fait ce serait plutôt de rencontrer Michel Sardou, quoi. Et donc là je regarde mon père et je le déteste, mais vraiment bien. Parce que donc évidemment, il veut, enfin c'est pour m'humilier et rire à mes dépens et expliquer que je suis un petit con, enfin voilà. Parce que je pense que parce que je ne me suis pas comporté comme il le voulait, j'en sais rien, peu importe. Et à ce moment-là, Serge me regarde, clairement très étonné. Voilà, Michel Sardou, en 82. C'est absolument pas l'image que des jeunes d'aujourd'hui peuvent avoir. C'était un mec qui était donc jeune lui-même encore et extrêmement voilà, bon, violent, ça tout le monde l'a compris. C'est témoin de ce que vous voudrez, facho nazi, fallon PD. En plus, je tendrai l'autre joue. Les héros ne sont plus parmi nous. J'ai dû me tromper de rendez-vous. Avec des textes très durs. Je parle pas forcément des chansons à scandale, hein, mais je parle même des chansons en règle générale. C'était quelqu'un qui, voilà, parlait de la vie de façon très très noire, quoi, et qui faisait la gueule tout le temps. Enfin, quelqu'un avec les cheveux longs, qui était impressionnant. Et moi, quand j'étais gamin, j'étais tellement malheureux, j'en voulais à la terre entière, enfin, etc., que le samedi soir chez Drucker, à Champs-Élysées, tout ça. Entre les sourires niais jusqu'aux oreilles, qui étaient réellement obligatoires, hein, que je voyais chez Claude François, Joe Dassin, enfin, mais tout le monde, tous les artistes français, c'était le plus beau jour de leur vie, ah, mais vraiment, bon, et je parle même pas des chansons ultra niaises, enfin. Et tout d'un coup, t'avais Sardou qui arrivait, le mec il faisait la gueule, il avait la mâchoire serrée comme ça, il fixait la caméra comme s'il voulait lui péter la tronche, quoi, et il te chantait des chansons. Ultra dur, enfin, et sa voix aussi, la voix, putain, bref. Donc, la première fois que je l'ai vu, je sais plus c'était pour quelle chanson, mais j'ai été hypnotisé en tant qu'enfant, quoi, et je savais que c'était pas un chanteur pour enfants, très loin de là, etc., etc. Donc, en tout cas, bref, c'est devenu mon idole, mais vraiment, hein, entre 9 et 10 ans, ouais, 11 ans même, peut-être. Ah non, attends, c'est peut-être avant, mais encore avant, 8 ans peut-être, hein, entre 8 ans et 11 ans, voilà. Bref, ce qui m'a causé plein de problèmes, ton fils va pas bien, à cet âge-là, on n'écoute pas Michel Sardou, non, parce que j'avais des. Fini par avoir des vinyles et tout, et j'écoutais des chansons, effectivement, ultra dures. Bref, et donc, Serge me regarde, donc, et il regarde mon père, il se marre, et il décide de. En fait, il fait le premier truc qui m'a scié, quoi. Il se fout de la gueule de mon père. Et il prend ma défense. Et là, Et en fait, je me souviendrai toute ma vie, ça, par contre. J'ai redressé la tête, j'ai regardé Serge, j'ai regardé mon père. Et il me faut le savoir que mon père, c'est quelqu'un de très impressionnant, mais 85, très bel homme, qui a pas l'habitude d'être pris en défaut. Enfin, voilà, bref. C'est la première fois que je voyais mon père comme ça, quoi. Et Serge lui dit. Mais Michel, moi je le connais super bien, c'est un pote. Et il lui dit, mais il est génial, Michel. C'est quoi le problème, quoi? Et donc, mon père ne sait pas trop quoi répondre. Et il me regarde, il fait, ah bah tu vois, genre, tu vois, et finalement, t'as pas à avoir honte. Enfin, il essaie de s'en sortir comme il peut, quoi.
Et moi, je regarde Serge et tout d'un coup, je l'aime d'amour. Mais vraiment, en fait. C'est-à-dire que c'est. Après, je vais pas raconter mon passé quotidien, tout ça, machin, mais c'était. C'est le premier adulte qui a pris ma défense, même sur un détail complètement idiot comme cette anecdote. Et c'était. Ça n'avait pas de prix, quoi. Enfin, en fait, pour moi, c'était vraiment magique. Et à ce moment-là, il m'a regardé et il m'a fait un petit sourire du genre. Tu m'intrigues parce que voilà, il avait compris que j'étais quelqu'un de méfiant et tout, mais là, de voir un gamin si jeune qui est fan d'un chanteur si dur, enfin, non seulement pour adulte, pardon, mais pour voilà, c'est même chez les adultes, personne pouvait le saquer. Enfin, je parle même pas du côté mec de droite, je parle du côté misogyne, je parle du mec qui était violent, c'est un mec qui était violent, Sardou, enfin, qui dégageait une violence, quoi. Et donc à ce moment-là, je regarde Serge en fait, et tout d'un coup, je le regarde vraiment, c'est-à-dire pas avec un regard fuyant et tout, quoi. Je le regarde et. Et j'essaye de le découvrir, en fait, voilà. Et donc, ils ont. Ensuite, mon père a enchaîné pour parler un peu. Je pense qu'il était bien vénère de la tournure de l'intro. Et donc, il parle et tout. Et voilà, tout se passe bien. Moi, j'écoute sagement, je comprends rien, évidemment. Je sirote mon coca et ça se termine. Et donc, on va pour s'en aller. Et il dit, tu viens avec nous. Comme s'il était quelqu'un d'important, quoi, lol. Et donc. Je le regarde et mon père il dit, il me passe la main dans les cheveux comme ça, genre oh, fiston et tout, et il dit à Serge, bien sûr, il vient avec nous, il vient avec nous. Et Serge il fait, parfait, comme ça. Et je trouve je suis super ému parce que c'est donc la première fois que j'avais autant d'affection et d'intérêt, de machin, d'un adulte. Et en plus c'est un adulte qui ne m'en devait pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas comme dans la famille où là lui c'était un inconnu, enfin un inconnu, pardon, lol, non pas du tout un inconnu justement. Une célébrité, mais une célébrité qui ne me connaissait pas, ne me devait aucun intérêt, et dont la logique aurait même voulu qu'il ne calcule pas. Donc là, tout d'un coup, c'était totalement chouette, mais aussi déroutant. Voilà, ça s'est arrêté là. Et après, je ne l'ai revu que quand on est arrivé sur les lieux du tournage pour une semaine, donc avec mon père, donc un peu plus tard, je pense que ça devait être une dizaine de jours plus tard. Et entre-temps, j'avais beaucoup repenser à cette scène et à sa façon de m'avoir défendu face à mon père. Je me souviens, aujourd'hui on a internet, en 2 secondes, si tu te poses la question, tu vas comprendre, et oui, qu'en effet Michel Sardou et Gainsbourg étaient clairement des potes au privé, aussi étonnant que ça puisse paraître. Tu vas trouver plein de trucs, des duos, des photos, enfin, bref. Mais à l'époque, il suffisait que tu sois pas. Enfin voilà, mon père était. Il n'était pas au courant, clairement, et il était en plus totalement de gauche, mais c'est pas, enfin, c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que vraiment, il méprisait totalement l'homme pour aussi, je pense, son univers, tout ça, quoi. Sardou, bien sûr, je crois. Donc, je précise que cette vidéo, j'ai un peu réfléchi. Qu'est-ce que je voulais dire, je vais me concentrer sur ma rencontre, sur voilà, la rencontre avec Serge, en fait. Je trouve que c'est ça le plus intéressant, enfin, le plus intéressant, qui me fait plaisir de raconter. Donc, enfin, c'est juste pour expliquer. On est arrivé dans un hôtel, je me souviens qu'il y avait un grand restaurant avec une grande terrasse à 100 mètres de la plage, enfin de la mer, quoi. Toute l'équipe, en fait, était dans cet hôtel. Donc, il y avait vraiment pas mal de monde, hein. Enfin, pour moi, c'était vachement impressionnant. Je crois même que c'est la première fois que je me retrouve avec l'effervescence, quoi, d'un tournage, quoi. En plus, c'est un tournage, quand même, assez, voilà, assez conséquent. Avec autant de monde qui sont ensemble. Donc, je me souviens notamment des tablés. Les tablés, c'était spectaculaire. Il y avait donc deux, trois tablés, deux, je sais pas combien. Une vingtaine de personnes à chaque table, enfin. Et pour moi, c'était impressionnant. Le tournage a commencé. J'ai fait une deuxième rencontre. D'ailleurs, je voudrais quand même parler de lui parce que il a été formidable. Le film concernait donc, je sais plus jamais vraiment chercher. Je sais plus quel film c'est. Je suis même pas sûr. Je crois qu'il y a eu des problèmes ensuite. Je sais pas s'il est vraiment sorti. Je sais plus. C'est peut-être la Renault 9, un truc comme ça. Je ne sais plus. Mais le film en lui-même, en tout cas, c'était assez impressionnant. Il y avait donc la voiture qui roulait extrêmement vite dans des zones assez inhabituelles. Et donc notamment, je me souviens qu'on sortait à un moment d'une sorte de grotte. Et il fallait. Ah oui, je vous ai expliqué pourquoi je dis on.
La voiture sortait d'une sorte de grotte, toute vite teintée, tout ça, à fond les ballons, quoi. Enfin, mais vraiment, genre, avec voilà, dérapage, machin, nuages de fumée, enfin, comme dans les vidéos, quoi. Comme dans certaines pubs, quoi, effectivement. Ensuite, elle fonçait sur le bord de l'eau, donc sur la plage. Après, il y avait des trucs dans des ruelles, je me souviens aussi. Enfin, c'est vraiment du niveau de la cascade, vraiment. Et pour piloter la bagnole, il y avait un très jeune type qui s'appelait Choukroun et qui était un champion. Il était tellement génial. Et c'est l'autre très belle rencontre humaine que j'ai fait durant cette semaine. Enfin, ça dure un peu plus d'une semaine peut-être. Et donc, c'était un type génial. Et il avait sympathisé avec moi, je ne sais pas pourquoi. Et il avait demandé à un moment à mon père... non, en fait, il me dit... Je suis désolé, c'est un peu décousu. Je ne suis pas sûr de laisser tout ça, on verra. Il dit à mon père, Michel, ça te ferait pas chier si Jonathan, il monte avec moi dans la voiture. Et mon père, il regarde Choukroun et il lui fait... tu veux dire pendant les scènes, quoi. Et il dit ouais, ça va être fun et tout. De toute façon, on est bien attachés, il n'y a pas de problème et tout machin. Et waouh, moi, c'est comme un rêve, quoi. C'est mieux que les montagnes russes, quoi. Et mon père me dit ok, je pense, voilà. Et donc, je me suis retrouvé assis dans la bagnole à côté de ce jeune fou, quoi. Et on avait les sortes de talkie-walkie à l'époque, hein, 82, pour le top départ, les machins, les consignes, les voilà. Et je me souviens que quand je me suis installé, donc il m'a ligoté, enfin j'étais vraiment, c'est les ceintures, voilà, comme pour les bagnoles de course, là, vraiment, avec un gros truc au milieu, là, et on voyait rien, mais vraiment, enfin, on voyait que dalle. Parce que en fait, pour que ce soit plus beau, donc les vitres étaient teintées, mais pas teintées comme une bagnole que t'achètes et où les vitres sont teintées, même si je crois que c'est pas trop légal. Là, c'était teinté noir, quoi, façon K2000, quoi. C'est-à-dire que voilà, de l'extérieur, c'était noir, quoi. Enfin, ou comme Christine la nuit, là. Mais donc, du coup, en fait, de l'intérieur, réellement, ton champ de vision, enfin ta vue, elle diminue de 70%. C'est-à-dire que tu vois vraiment à 30%. Enfin, c'est chaud, quoi. C'est très chaud. Tu vois que dalle, honnêtement. Et donc, je vois ça et je lui dis, mais, mais comment tu vas faire comment tu vas faire? Et il me dit, bah non, mais j'ai déjà refait le repérage, t'inquiète, nickel, chrome, pas de soucis et tout, quoi. Et waouh, quoi. Et par contre, il me prévient quand même, il me fait, colle bien ta tête contre le dossier, contre l'appui-tête, quoi, parce que quand on va partir, ça va bien taper quand même. Et je fais, ok, ok. Et donc voilà, donc on a fait cette prise, enfin on en a fait plusieurs en fait, hein, et c'était à la fois terrifiant et tellement enivrant, quoi. C'était magique. Je croyais qu'on allait mourir, quoi. Il démarrait, mais c'était donc démarrage en trombe, quoi, mais en trombe de taré, quoi. Et je me disais vraiment, on va se prendre les trucs dans la grotte, parce que c'est plein de rochers hyper chaud, quoi, et on frôlait tout pour que ce soit plus beau, quoi, la caméra, quoi. Donc la voiture à chaque fois frôlait les trucs et je me disais, ah, là c'est mort, on se le prend, enfin il y a un accident, c'est obligé, quoi. Mais le mec était tellement doué, quoi, et les coups de volant, c'était hallucinant, c'était magique. On a beaucoup rigolé, il était tellement gentil et ça me faisait un autre adulte qui était chouette, c'était vraiment incroyable. Et dans ma vie, je veux dire, et je termine juste sur Choukroun, parce que quand on est revenu de... pour moi, de vacances, donc, une dizaine de jours plus tard, 15 jours plus tard peut-être, mais vraiment très peu de temps, hein. J'entends ma mère pleurer dans le salon, c'était une chose qui arrivait très souvent, puisque ça pouvait être pour n'importe quelle raison, mais bon, elle me regarde et elle me dit, « Oh, mon pauvre !» je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, parce que je me dis, bon, ok, là c'est pas l'alcool visiblement, je sais pas ce que c'est. Et elle me dit, ton père vient d'appeler, et donc je me dis, okay, putain, mais qu'est-ce qui se passe, genre mamie est morte, enfin, tu vois. Et elle me dit,
Et elle me dit, Choucroune, le type dont tu n'arrêtes pas de me parler. Oui, parce qu'il m'avait donné une petite photo de lui dédicacée en souvenir avec une petite. Enfin bref. Et elle me dit, il s'est tué. Il s'est tué en voiture. Il s'est tué en voiture sur la route. Un mec lui est rentré dedans, en fait. Voilà. Donc l'accident vraiment très con. Quoi. Voilà, un mec était un dieu du volant, mais vraiment. Donc une grosse leçon de voilà que quoi sur la route t'as beau être le meilleur, suffit que le mec en face c'est pas le meilleur, bah il te tue. Et donc je prends ça dans la gueule et ça a été le premier décès qui m'est touché. Parce que j'avais déjà eu la chance à 10 ans que personne dans ma famille soit décédé. Ah si, il y avait une personne, mais je n'en avais pas de souvenir, donc bon, bref. Mais là, c'est la première mort qui m'a touché, où j'ai pleuré moi-même, enfin voilà. Et par contre, voir ma mère pleurer là-dessus, alors qu'elle l'avait juste jamais croisée, que c'était très glauque, c'était très malaisant, comme disent les jeunes aujourd'hui. Et je me souviens même que j'étais allé... à mon libraire du quartier où j'achetais normalement les vignettes. À 10 ans, je devais acheter aussi des magazines de musique quand même. Et j'avais regardé tous les trucs auto machin, enfin tous les magazines de courses de bagnoles et automoto, enfin tous ces trucs là quoi. Et parce que bah il y avait des hommages, voilà, il y avait des dossiers, des articles sur Choucroune bien sûr. Et du coup j'avais acheté pour voilà comme pour ah, j'avais tellement de peine, ça m'avait défoncé. Revenons à Serge. Donc je disais, il y avait vraiment beaucoup de monde. Les journées étaient chargées, évidemment. Les moments de détente, c'était principalement le soir. Parce que le déjeuner de midi, je me souviens que c'était vraiment sur le pouce quand même. Hein. Il y avait des gens qui allaient chercher des sandwichs. Enfin, on peut pas dire vraiment qu'on se prenait deux plombes pour picoler tranquille. Le soir, par contre, le soir, alors là, c'était sans fin. Ça se terminait très très tard. Et là, assez vite, vraiment, hein, dès les premiers jours, enfin dès le premier jour même, quasiment, quoi. J'ai été très très surpris, puisqu'il y avait des moments où j'étais donc censé un peu bah, m'ennuyer, hein, parce que j'étais quand même je regardais tout ce qui se passait, c'était génial. Mais j'étais quand même très rapidement très heureux d'être là. Mais comme j'étais un enfant très renfermé, très réservé, très méfiant des adultes, je n'étais pas du tout... on peut pas dire que je posais problème, par exemple. Hein. J'étais pas quelqu'un... j'étais pas un enfant à qui on dit « calme-toi ». Enfin, ouais, c'est vraiment pas... On disait plutôt « où il est ». Parce que j'étais tellement discret par moment que bon, c'était facile de m'oublier, quoi. Mais il y en a un qui ne m'oubliait pas, et à ma grande surprise, c'était celui que tout le monde harcelait, que tout le monde regardait, etc. etc. C'était Serge, et vers qui, moi, bien sûr, je n'osais absolument pas aller. Donc, enfin, de toute façon, pour que faire. Et donc, très vite, Serge, je me souviens même du premier ou du deuxième dîner, où les tablés étaient voilà, donc, énormes, comme j'ai dit, et j'étais pas du tout... près de lui, et les places étaient chères, évidemment. Enfin, je comprends mieux maintenant, hein. À l'époque, je pense même pas que ça m'effleurait l'esprit. Mais... Et à un moment, Serge dit Serge me voit, enfin, il me regarde en fait à la table, et donc moi je suis dans mon coin, regardé dans le vide, comme d'hab. Voilà, je fais chez personne, je parle à personne. Voilà. Et tout d'un coup, je sens qu'on me fixe, et en fait, c'est Serge qui me fixe d'une autre des tables, quoi, où voilà, il est un peu en pacha, tout le monde lui parle. Enfin, et il est donc quand même bien alcoolisé, mais c'est un alcool qui gère. Et ça, ça a été la première découverte qu'un adulte peut être bourré, mais pas comme je connaissais jusque-là. Sans être violent, sans être menaçant, sans être. Suicidaire, sans être voilà, enfin il est juste défoncé, mais il se marre, il déconne, limite c'est sympa, en fait, voilà. Là c'était vraiment une découverte. Donc il me fixe et tout, et tout d'un coup donc je vois que c'est qui me fixe, et je vois que c'est lui, et il se lève de la table, et il fait tout le tour. Alors tout le monde se dit, mais Serge, qu'est-ce qu'il y a? Et il vient me voir, donc il vient me voir au-dessus, là, comme là, de mon assiette, quoi. Et il se penche, alors putain, il pue l'alcool, c'est terrible. Mais il me dit, tu te fais chier, là tu t'emmerdes, là, c'est clair. Et donc je suis là, non, je suis pas l'habitude de me plaindre à ce moment-là, et il me prend par le poignet, enfin par la main,
Et il me dit, ouais, n'importe quoi et tout. Et donc, il m'entraîne comme ça. Et il dit, ouais, faites place et tout. Et donc, il me fait mettre une chaise. Et je me retrouve assis à côté de lui, aux grandes dames de la nana. Il y avait une nana à côté, qui était à côté, qui du coup dégage un peu, quoi. Et je me retrouve à côté de Serge, c'est complètement surréaliste. Donc, il est là, ramenez-lui son assiette et tout. Enfin, et il décide de... Il décide, je ne sais pas pourquoi, quoi, de me faire rire, donc il fait que des conneries, mais que des conneries, quoi. Y compris des trucs complètement débiles. Mais donc je me sais qu'à un moment, il prend une petite cuillère qui était derrière l'assiette et il met ses deux doigts devant le dos de la cuillère. Et puis en fait, ça fait un cul, mais vraiment à la perfection, effectivement. Et il me dit, regarde-moi ça, si c'est pas friolant. Moi, jamais un adulte m'avait fait ce genre de vanne, quoi. C'était des vannes d'adultes entre adultes, quoi. Et lui, tout d'un coup, il me parle comme un pote. Enfin, c'était incroyable. Donc, j'ai rigolé, j'ai passé une soirée magnifique. J'en pouvais plus de rire, quoi. Tellement il était drôle, quoi. Et je l'ai adoré. Et je me suis dit, mais il est... Je l'ai follement aimé, quoi. Vraiment, 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 à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est l'adulte le plus cool de la Terre, quoi. Mais vraiment, vraiment. Et en plus, il me lisait en moi, c'était super impressionnant parce que il avait l'air de lire en moi vraiment comme un livre ouvert, quoi. J'ai de gros doutes, mais c'est même pas des doutes. Je sais que mon père, évidemment, ne lui a absolument pas dit, parce que ça lui aurait pas donné le beau rôle, quelle était ma vie seule avec ma mère. Pendant que mon père vivait une vie très cool de jeune publicitaire qui a totalement réussi. Voilà. Il a vu, enfin avec le recul, il a vu que j'étais cassé debout, enfin que j'étais un enfant brisé, enfin pas brisé mais blind, enfin qui s'était blindé quoi, enfin ou qui était en train de se blinder mais totalement pour survivre là vraiment, mais dans sa tête. Et il a décidé que je sais pas ça l'a tiré, je pense, enfin ça l'a ça l'a touché et il s'est dit je pense qu'il voulait pas voir ça ou il voulait pas me voir comme ça, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, donc ça a été un peu ça. Et à d'autres moments il faisait des choses qui surprenaient tout le monde, parce que par contre je tiens quand même à dire, mais c'est normal en fait, c'est eux qui étaient normaux. Personne me parlait, enfin à part mon père et Choukroun et Serge, toute l'équipe, ils étaient quand même très nombreux, hein, des hommes, des femmes, de tout quoi. Ils me disaient même pas bonjour, enfin ils me voyaient, enfin, de toute façon, mais c'est normal, je suis le fils d'un des mecs, fait que ça en a foutre quoi. Donc j'étais quand même bien ignoré, enfin mais c'était pas méchant, mais c'était un fait quoi. Mais ce que je veux dire, c'était que du coup, ça choquait vraiment. Quand, puisque toute l'attention était sans cesse tournée vers Gainsbourg, évidemment, quand très 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 souvent, il décidait qu'il voulait faire un truc lié à moi. Et je me souviens même d'une fois, par exemple, où on était sur la plage, il y avait, je me souviens même plus de ce qui se passait, des soucis techniques. Et quelqu'un dit, on ne peut pas envoyer quelqu'un à la boulangerie la plus proche chercher des pains au chocolat, des trucs comme ça pour l'équipe, parce que là, putain, on y est encore, c'est la merde, enfin machin, qu'au moins on bouffe un truc. Et donc, mon père donc dit, il me regarde, il me fait, bah, tu vas y aller, ça te gêne pas, tu vas trouver une boulangerie dans le coin, quoi. Et moi, tout content qu'on me confie une mission, je dis ouais, bien sûr, ouais, pas de problème et tout. Et donc il me dit tu vas prendre, je sais pas comment ils étaient ce jour-là dans ce coin-là, mais c'est genre 20 pains au chocolat. Enfin, et je vois Serge qui donc était penché sur la caméra de je ne sais où, enfin faire un truc et tout, qui se retourne et dit, il m'interpelle et il me fait, attends, je t'accompagne. Faut vraiment se remettre dans la scène, quoi. Et je vois tous les gens qui font, hein, pourquoi il s'en va, où, avec qui, mais pourquoi faire, et où les gens percutent Serge Gainsbourg par avec ce gamin qui va juste à la boulangerie chercher des pains au chocolat, quoi. Voilà, c'était, et c'était tellement, je pense que ça l'amusait aussi de faire chier le monde. Il savait que ça faisait chier tout le monde. Et il savait aussi que moi, ça me faisait... c'était plus que plaisir. C'était vraiment, c'était beaucoup plus que plaisir.
c'était vraiment extraordinaire. Et donc, je me souviens de ce moment vraiment magique, où donc, parce qu'on a mis un petit peu de temps avant de trouver une boulangerie. Je me souviens plus, c'était dans quel coin perdu qu'il y a eu ce tournage, mais donc voilà, c'était pas une vraie, c'était pas une ville, tu vois, c'était un tout petit coin. C'était genre, t'as une boulangerie, quoi, voilà. Et donc, on cherche dans les ruelles, tu vois, enfin, on cherche dans le quartier, quoi, là, une putain de boulangerie, quoi. Et donc, on discute, et il me fait marrer, il sort des vannes, il me sortait tout le temps des blagues. Mais pas des blagues, c'est à la Serge, quoi. Et c'est de l'humour, voilà. C'était pas forcément des blagues, d'ailleurs. C'était plutôt, il faisait de l'humour, quoi. Je me souviens que sur la boulangerie, c'était drôle, parce qu'on est arrivé et... faut imaginer la petite boulangerie, t'as Serge Gainsbourg qui se ramène, quoi, enfin, donc je me souviens que c'était un vieux couple et tout, et c'était trop mignon, ils étaient tout tremblotants, oh mon dieu, mais non, mais quand on va raconter ça, et tout. Ouais, à l'époque t'avais pas de smartphone pour faire un selfie vite fait, je me souviens qu'ils m'ont apporté un bout de papier, ce serait tellement gentil, monsieur Gainsbourg, on mettrait en vitrine, et il voulait absolument lui offrir des trucs, vous voulez pas, genre, prendre ça, tu vois, mais c'était tellement gentil, et lui était, mais adorable, mais vraiment, vraiment adorable, et voilà, par la suite, enfin, j'étais amené à croiser pas mal de gens plus ou moins connus, quoi. Il y a des gens géniaux, mais il y a des gens, c'est vraiment des connards, quoi. Mais vraiment. Donc la célébrité, ça te fait... ça peut vraiment te bousiller, je pense. L'éthique, par exemple. Mais Serge, il était drôle et gentil. Avec les gens, en tout cas, voilà. Donc on prend les trucs et il me montre le coin des saloperies, quoi, des bons becs et des machins, et il me dit vas-y, prends des trucs, et donc je prends trois trucs, tu vois, parce que c'est pas, voilà, pas abusé, quoi, et rigole, il fait, alors tu vois de ma gueule, prends des trucs, du coup je prends plus de trucs, quoi, donc je me retrouve avec un putain de paquet de bons becs, mais énorme, quoi. Bah, c'était rien, tu vois, mais c'était un truc que normalement jamais on m'autorisait à prendre pour 10 francs de petites cocades, machin, enfin tu vois, ça te faisait quand même un paquet Ascom, quoi, c'est impossible de bouffer ça en une journée, quoi, à l'époque. Et donc là, je me retrouve avec tout ça, on repart avec nos sacs de plein de pain au chocolat et de machin, et on revient en héros, parce que bah, tout le monde attend Serge Gainsbourg quand même, quoi, sur le tournage, du coup, le truc, en fait, ils se sont tous arrêtés, c'est-à-dire qu'en fait, la pause qui était censée même pas être une pause, genre on envoie juste le gosse chercher, et comme ça, on bosse. Mais vu que Serge se casse aussi avec le gosse, bon bah du coup tout le monde s'arrête, quoi. C'est excellent. Enfin voilà, donc là je réalise que bon, tellement d'anecdotes, mais en fait je pensais que la vidéo serait très très courte et elle va pas l'être tant que ça, donc je vais pas m'éterniser non plus, parce que ça sert à rien de faire 1000 ans de... Je pense que j'ai vraiment dit le plus important, le principal. Je l'ai vraiment... j'étais aussi impressionné parce que... Alors, j'étais impressionné aussi, notamment parce que j'avais jamais vu, jusqu'alors, un être humain fumer autant. Et j'avais même pas imaginé qu'il était possible de manger en fumant. En fait, la personne dans mon entourage qui fumait le plus à l'époque, donc voilà, fin des années 70 et puis dans le début des années 80, c'était mon père. Mes parents fumaient tous les deux, ma mère fumait aussi. Mais mon père fumait 3 paquets par jour, donc 3 paquets par jour, c'est pas mal, tu t'en allumes quand même très 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 souvent. Mais Serge, il n'arrêtait jamais, mais vraiment, c'était super spectaculaire. Plus tard, quand je me suis, en fait il m'a métamorphosé, c'est ce que je réalise, à chaque fois que je repense, c'est qu'il a vraiment changé l'enfant que j'étais, et c'est même impressionnant de voir ça en fait, en si peu de temps, en quelques... jour, quoi. Il m'a vraiment incroyablement marqué, voilà. Mais par exemple, donc il y a un moment où moi j'ai pris l'habitude de le vanner aussi, c'est dire, quand je réalise ça avec le recul, à quel point il a réussi à me mettre à l'aise. C'est un truc que je faisais jamais avec aucun adulte, mais jamais. Mais c'est vrai que j'étais devenu à l'aise, et donc un matin, je me souviens notamment un matin... Je descends donc au petit-déj, je vois Serge, mais il est en train de discuter avec des gens, parce qu'il y a tout le temps des gens qui le... voilà. Et donc, bon, je me dis, je vais pas le déranger, quoi. Enfin, voilà, pas les... Et donc, je me fais mon petit plateau, tout ça. Je vais me...
m'asseoir là où je peux, enfin pour boire mon jus d'orange et voilà. Et à un moment, il se ramène derrière moi comme ça et il me fait l'air faussement énervé, quoi. Et, enfin, vexé. Il me fait tu m'as pas dit bonjour ce matin. Et je le regarde alors que c'est tellement pas moi, quoi. Je le regarde et je lui fais toi non plus. Et il me regarde et il fait oh putain. Et il se barre et il va voir mon père qui était genre à 2 mètres et il fait tu sais ce qu'il vient de me dire. il va se plaindre, quoi. C'était drôle et il aime. C'est un truc qui lui a bien plu quand il a vu qu'il avait réussi en fait à me mettre à l'aise au point que je pouvais lui renvoyer une vanne. Voilà, ça pissait pas loin, t'as 10 ans, quoi. Mais pour moi, c'était magique, enfin, c'était déjà inouï, quoi. Un autre souvenir, je vais commencer à essayer de conclure quand même. Je m'étais dit 20 minutes, 30 minutes, y a pas de raison que ça passe plus. Un autre truc, c'était le dernier jour du tournage, ça je m'en souviens très bien. Donc le dernier jour du tournage, donc voilà, ça commence à être un peu plus à l'aise, l'ambiance, je veux dire, moins de stress, tout ça. On était encore sur cette putain de plage. Et à un moment, Serge vient me voir et il me dit tu viens, on va marcher. Donc, ouais, super. Enfin, moi, j'étais toujours fou de joie d'être avec lui, du coup. En fait, parce que c'était magique. On part, on se balade. Enfin, on marche comme ça. On fait 100 pas. Hein, on n'est pas allé très loin, mais on s'isole. Par contre, on va là où plus personne peut nous entendre. On est au bord de mer, on marche. Et à un moment, il m'arrête et il me regarde vraiment, il me fixe dans les yeux, il me pose les mains sur mes épaules, comme ça. Il me dit j'ai compris. Tu sais, j'ai compris pourquoi tu aimes tant Michel Sardou. Et comme ça faisait des jours qu'on sortait beaucoup de vannes tous les deux, enfin, dès que voilà, c'était notre petit jeu, quoi, enfin, notre complicité, quoi. Je le regarde et je fais une tête, genre, vas-y, sors ta vanne, quoi. Et il me regarde et en fait je réalise que non, il est super sérieux en fait, il veut me faire une confidence, mais c'est sérieux en fait. Et donc sans rigoler du tout, il me dit parce qu'il a toujours l'air malheureux et en colère contre le monde entier. Et j'en suis resté, voilà, il avait évidemment tout compris. Et il avait surtout compris pourquoi, enfin comment un gamin de 10 piges peut être obsédé par un mec comme Michel Sardou à cette époque-là. Serge me dit ça, me fait comprendre qu'il a compris en fait qui je suis. Et ça m'a énormément touché. Et un peu plus tard, en revenant, je me souviens qu'on revenait de cette balade pour rejoindre les autres. Mon père nous a pris en photo, il a fait quelques photos, il y en a eu très peu, mais ce jour-là, il nous a pris en photo quand on revenait, et c'est d'ailleurs, il y a toute une série de photos, et dont est extrait cette photo, que je vous mettrai en propre à l'écran, voilà. Et il m'a dit, tu as le même âge que ma fille, et tu as un point commun avec elle, c'est que vous avez tous les deux la chance de ne pas être simple. C'est une phrase extrêmement importante pour moi, parce qu'évidemment, à 10 ans, je ne l'ai pas comprise, mais elle m'a par contre hanté, enfin longtemps, et dans des moments super durs que j'ai pu connaître par la suite, même ado, même plus tard, cette phrase, elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Et donc parfois j'entendais Serge redire tu as la chance de ne pas être simple. Et pour lui, c'était un immense compliment. C'était tellement gentil. Il n'a pas dit ça pour être gentil. Ça, par contre, c'était pas le. Il a dit ça parce qu'il le pensait. Mais. Enfin voilà. Et donc on est revenu de ce séjour. Voilà, je suis retourné à ma vie avec ma mère. En partie métamorphosé à jamais, vraiment, vraiment, vraiment. Et j'avais tout d'un coup une
je sais pas comment dire, mais ça m'a. Enfin, il m'a énormément. C'est un des fois, je. Enfin, si j'y pense, c'est sans doute l'adulte qui m'a le plus aidé dans ma vie, en fait. Pour la vie, enfin, voilà, je sais pas comment dire, en fait. Qui a mal joué un plus grand rôle, a eu le plus d'influence, voilà, tout simplement. Mais bien plus que mes parents, donc, enfin, voilà. De toute façon. Donc voilà, donc. Alors, pour l'anecdote, parce que, bon, donc. Donc je n'ai évidemment pas eu accès. Enfin, je n'ai pas. Je sais qu'il y a d'autres photos qui existent et tout, mais je n'ai pas. Voilà. Mais. En fait, un peu après, plus tard donc, hein, en tout cas. Serge a. Enfin, mon père a montré les photos qu'il avait faites durant le séjour, quoi, à Serge. Et il y avait notamment donc quelques séries de photos avec Serge et moi. Et quand il a vu celle-ci, il l'a adoré en fait. Il a dit, elle est magnifique cette photo. Fais-moi deux agrandissements. Ah, ok, donc il fait deux grands tirages de cette photo. Et d'ailleurs, un week-end où je vais chez lui, il me la montre cette photo, ce grand tirage donc. Et je la trouve horrible. Horrible parce que j'ai une tête de con. Je déteste ma tronche. J'ai les cheveux tout gonflés avec un bob atroce que je détestais mais qu'on m'obligeait de mettre parce que bref, un cahouet ridicule, enfin bref, c'est une humiliation cette photo quand je la découvre. Donc je lui dis, t'as horrible, ah non, je déteste et tout machin. Genre, évidemment que je n'en veux pas, enfin il me le propose même pas mais je n'en veux pas. Et voilà, t'as 10 ans, t'es pas, bon bref. Et donc, et plus tard, je découvre que Serge en fait en voulait deux parce que il voulait m'en offrir une et donc il a dédicace, enfin il me fait un mot dessus donc avec des bulles l'humour de Serge quoi et voilà donc je sais plus enfin vous avez j'imagine que c'est lisible à l'écran c'est et Jonathan, t'as vu cette nana qui arrive, ou ce canon qui arrive, ou je sais pas quoi, et moi il m'a fait des petites bulles où je pense, quel con. Oh putain, c'est magnifique. Et c'est fou à dire, hein. Mais c'est en partie de lui que je tiens cet humour un peu bizarre, enfin pas bizarre, mais qui fait que j'adore vanner les gens que j'aime. Parce que en fait, il m'a. On se vannait tout le temps, et c'est la première fois que. J'étais pas comme ça avec mes potes parce que bah, les enfants entre eux, je sais pas. Mais il avait une façon tellement tendre et affectueuse et drôle de se foutre de la gueule, gentiment quoi, des gens qu'il aimait. Il en attendait autant en face. Donc fallait avoir du répondant, sinon c'était pas la peine. Mais que moi, c'est comme s'il m'avait inculqué ce truc quoi en fait. Et donc jusqu'à la dédicace. Où il me fait l'insulter sans lui dire, c'est fabuleux. Donc j'apprends, d'ailleurs ça avait bien fait rire mon père parce qu'il savait que je n'aimais pas cette photo parce que je trouvais que j'avais une tête de con. Et donc j'apprends que un des deux très grands, enfin grand tirage que Serge voulait, c'était pour me l'offrir en souvenir. Et donc je récupère ça et je suis, je me dis. Ça me fait super plaisir, tout d'un coup, parce que je réalise quand même, bah, c'est chouette, quoi. C'est gentil, c'est super gentil, c'est un cadeau. Là, tout d'un coup, c'est un cadeau, donc même si je déteste ma gueule, c'est pas grave. C'est un cadeau, quoi. Donc voilà, donc tout de suite, alors, mon père, conscient de. conscient, quoi, parce que, conscient à l'époque d'abord que j'ai 10 ans, et puis que c'est quand même une dédicace de Serge Gainsbourg, enfin voilà, c'est quand même pas rien. Ce serait dommage que ce soit froissé, glissé entre deux vinyles ou j'en sais rien dans ma chambre de gamin. Et donc il me dit, pop, je vais te le faire mettre sous verre, voilà, et je te la donnerai sous verre pour protéger tout ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai depuis sous verre. Et donc cette photo que j'ai, donc je l'ai très longtemps rangée, vraiment, c'était rangée quelque part, quoi, mais pas du tout exhibée, quoi. Bah, des années plus tard, quand Serge est décédé. Je me suis effondré comme beaucoup beaucoup de gens voilà et je me suis effondré parce que voilà il avait joué un rôle tellement 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 important dans mon enfance défoncée quoi vraiment et il avait tellement
tout changé pour moi. Enfin, c'est comme quand on dit, voilà, il a changé le game, quoi. Moi, il a changé mon game, quoi. Il m'a vraiment donné des armes, en fait, aussi. Une sorte de confiance, enfin, des trucs, quoi. Et il m'a montré que je pouvais être intéressant, ce qui était vraiment un message que je n'avais de personne à l'époque. Je n'étais pas un enfant intéressant, je n'étais pas intéressant. Lui m'a dit, tu es très intéressant. Et venant de lui, je me suis dit, son avis vaut plus que celui de n'importe quel autre adulte, en fait, de l'époque, quand j'étais gamin. Et donc ça m'a sauvé, mais complètement, quoi. Parce que du coup, ça m'a apporté une forme de pas de sérénité, pas déconner, parce que j'avais pas fini d'en chier, quoi, dans ma vie, mais ça m'a donné des armes inouïes. Donc immense perte, là, ça a vraiment été le deuxième décès qui m'est touché. Ce n'est qu'ensuite que des gens dans ma famille, dans mes proches, tout ça, voilà, ont commencé un peu à partir au fil des ans, quoi. Mais lui, c'est le deuxième adulte, que, voilà, être humain que j'avais connu physiquement, côtoyé, et qui mourait. Et en plus, ça faisait comme pour Choucroune, mais là, c'était pire, parce que là, Gainsbourg, on en parlait partout, là, télé, là, les journaux, enfin, c'était normal, c'est tout à fait normal. C'était compliqué, j'étais largement fin d'adolescence même, carrément, mais ça m'a mis un choc ultra violent. Je ne suis pas forcément, par contre, devenu fan du chanteur. C'était un univers qui n'était pas... c'était l'homme qui me plaisait, et plus que l'artiste. C'était très admiratif, mais c'était pas ma cam, quoi. Donc même plus tard, quand j'ai eu 15 ans, même 16 ans, 17 ans, je préférais... J'aimais énormément Serge. J'étais devenu fan de Farmer à mort. Je parle de l'époque Boutonnat, enfin ce que j'appelle les grandes années Boutonnat, parce que pour moi c'est Boutonnat un génie absolu. Bachung, très très fan de Bachung. J'aimais beaucoup la période Love on the Beat, You're Under Arrest, tout ça. C'est Serge qui m'a fait découvrir Antonin Artaud, c'est quand même pas rien, sachant que ça a été un choc inouï dans ma vie, et qui m'a d'ailleurs poussé vers la littérature et l'écriture, ce qu'allait devenir vraiment... très 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 important dans ma vie, Antonin Artaud. Et celui m'a fait découvrir à travers sa chanson Hum, pour ceux qui, voilà, qui voient, où j'ai des sujets, mais c'est qui Antonin Artaud, c'était, voilà, bref. Donc mais voilà, dire que voilà, c'est que plus tard, vraiment plus tard, mais même après son décès, j'ai envie de dire, quand je suis devenu vraiment jeune adulte, tout, que j'ai appris à appréhender vraiment son univers artistique, sa musique, ses textes. Mais parce que aussi avant, pendant longtemps, ça a quand même été super douloureux d'écouter tant de sa voix, ça me rendait triste, enfin c'était nul, quoi. Je me rappelle que ils arrêtaient pas de passer je suis venu te dire que je m'en vais, putain, c'était quel cauchemar. Chanson sublimissime, mais écoutez ça, enfin autant se pendre, hein. Ouais, je vais conclure en disant que donc moi, le Serge dont je peux parler, n'est qu'une facette, évidemment. C'était quand même un homme complexe, et je sais très bien, je connais des gens qui l'ont connu et qui ont des trucs beaucoup moins cool à raconter. Et voilà, donc je sais qu'il y avait plusieurs facettes, que c'était quelqu'un de compliqué, que c'était pas toujours fun, mais je vais pas mentir, et je lui dois, à titre personnel, je lui dois aussi, voilà, un peu de la même... Alors, de façon très différente pour Michael Jackson, évidemment. Mais je réalise, du coup, dans cette vidéo, que oui, c'est aussi quelqu'un à qui je dois beaucoup, 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 beaucoup. Et voilà. Et donc, moi, l'homme que j'ai connu, que j'ai perçu comme quelqu'un de tellement plus intelligent que la moyenne, enfin, vraiment, hein, que les autres adultes que je connaissais, quoi, qui n'étaient pas forcément idiots, mais lui, vraiment, c'était impressionnant quand il voulait te le montrer, parce qu'il jouait beaucoup au con, quoi. Mais d'ailleurs souvent un peu pour se moquer de son entourage. Moi, j'ai quand même des souvenirs de moments où par exemple, je me souviens d'une soirée où il y avait une nana, mais vraiment en micro-jupe, enfin on aurait dit une ceinture, c'est même pas une jupe, quoi, mais avec des talons aiguilles vertigineux et tout, qui était magnifique d'ailleurs, et qui clairement roucoulait autour de lui, enfin voilà, on n'en pouvait plus, quoi. Et alors lui, ça l'amuse beaucoup, donc il est un peu la main maladeuse, il est un peu alcoolisé, bon, c'était un soir et tout, donc il se marre et il en joue, enfin il se laisse gragouiller, bon, bref. Et à un moment, il fait « Ah merde, je sais plus quoi !» et il fait « Ah merde !» et il se casse... alors qu'ils étaient en pleine conversation, genre limite le coude sur la table comme ça, enfin voilà, depuis un bon moment.
Et en fait, il passe devant moi et enfin, à côté de moi, pardon. Et donc tout d'un coup, il me voit, parce qu'il était quand même, il était quand même bien bien pété. Donc il m'avait pas vu, quoi. Mais tout d'un coup, il me voit. Et du coup, il me prend par le dos comme ça, et il me fait, allez, viens, viens, on va prendre l'air. Et il me dit, insupportable celle-là. Et après, il se marre, quoi. Et en fait, donc, alors que moi, je me disais, bah, dis donc, waouh, voilà, ça va y aller, quoi. Et en fait, non, non, ça lui pétait le cul. En fait, il était juste bon. Il s'est, voilà. Et en fait, il s'est arrêté d'un coup. Et la meuf était hyper choquée toute seule, tout d'un coup, quoi. Alors que. Ah, c'était voilà, une facette de Serge. C'était génial. C'était génial. Et, il me faisait tellement rien quand j'y repense. Mais voilà. Donc voilà, donc je vais arrêter là. Bah voilà, je suis très content d'avoir fait cette vidéo à nouveau très hors piste. Mais il n'y a pas de hors piste en fait sur cette chaîne, puisque voilà, comme j'ai dit, c'est pas une chaîne ciné. J'espère que c'était pas trop chiant à écouter. Je me rends pas bien compte. Au montage, j'espère pas trop déchanter. Et puis surtout que tous ceux qui m'ont demandé de parler un peu de Serge, bah voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et parce que si, parce que ça, je sais qu'il y a pas mal de gens qui, enfin de ceux qui sont au courant, qui vont me poser la question quand j'ai donc 1000 ans plus tard rencontré Nicolas Serkis. Hein, un des premiers trucs dont on a parlé, c'est évidemment Serge. Voilà, donc même si bon, par contre pour Nicolas, lui était c'était pour le boulot, c'était en tant qu'adulte, et c'était plus compliqué, quoi. J'ai de meilleurs souvenirs, je pense. J'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.